Mesdames, Messieurs, les membres d'organisations qui interviennent dans la scolarisation d'enfants issus de familles à faible revenu, Mesdames et Messieurs, les membres de la presse parlée, écrite et télévisée, merci un peu pour présence nous matin hein, et nous ferons souffrir pour un petit temps, mais nous allons démarrer rapidement, il se passe dans le petit, nous allons faire pour nous finir rapidement. Exercice ça, nous allons renouveler l'année ça à FNE, nous allons renouveler parce que ça rentre dans le champ d'attribution FNE. L'idée c'est prendre en charge frais scolarité, droit scolarité, ti moun qui sont en famille, qui ont une grosse nécessité, qui n'ont pas de gros revenus. Donc, nous sommes là, l'année passée, côté nous avons gardé la subvention qui était baillée. L'année ça, nous avons une chance de connaître comment la subvention a été utilisée. Et nous avons une chance tout connaître qui ça qui fait le fait pendant l'année scolaire, ça, qui a peine commencé avec la subvention qui a fait le bail l'année ça. Rapidement, je vais passer la parole à directeur général FNE, M. Joseph Fritz Nicolas, qui est en même temps secrétaire exécutif du conseil d'administration, qui a introduit président conseil là, rapidement dans le cadre de la cérémonie ce matin. Monsieur le directeur. Bonjour. Et encore une fois, merci à la presse qui, matin, a fait déplacement ça dans le cadre des cérémonies de remise de chèques à diverses institutions. Que c'est un. Activité qui pour la troisième fois que nous avons fait l'année dernière que nous avons fait et l'année ça nous refait encore. Nous estimons que c'est un événement qui est assez important parce que nous avons regardé la réalité du pays. Nous avons eu la chance de voyager dans différentes villes, provinces, aller dans la section communale. Nous vivons la réalité. C'est la raison ça qui fait m'accentuer et me bailler l'événement ça un peu d'importance. Pour que nous fassions don de subvention ça à l'institution SAO pour être capable de venir en aide à Timon SAO qui n'a pas de chance pour que les parents voient à l'école. Le fait que l'État ait aussi des zones qu'il peut couvrir, nous estimons important pour que nous venions en aide à Timon SAO qui n'a pas de chance pour fréquenter l'école d'État. Je vais passer la parole à la ministre de l'Éducation nationale, là, qui est en même temps président du conseil FNE, pour être capable de parler de l'activité qui a fait jeudi à, dans le local FNE. Bon, merci, je salue mes collègues, ministre Louis Gonzalez, ministre des Affaires à l'étranger, DG. Magistrat, l'Union européenne, représentant des deux autres institutions, et nous saluons la presse. On dit que depuis quelques années, on a parlé de Sugo. Sugo vient disparaître, qu'on a une pause GATT. Et ça a gagné 2 ans, nous avons FNE, qui est officiellement installé. Et depuis jour ça tout, institution ça pas suspend rentrer dans mission. Faut qu'on dit en dehors de tout bagage FNE a fait tant qu'on construire l'école, réhabiliter l'école, accompagner parents, élèves, l'école, prendre charge scolarité de tout le qui a problème. Et faut qu'on dit depuis avant l'école ouverte ça FNE déjà distribué à travers le pays, à travers tous 10 départements, pas mal de bons scolaires à partir de 4 institutions. Cependant, FNE estime que conseil d'institutions dans le pays qui tellement rentre fort dans l'éducation, il arrive côté l'État lui-même pas arrivé dans une zone reculée. Et ces institutions ça vous dit depuis 3 ans de Jésus-Christ. Ça fait 3e fois qu'on a fait ça avec l'institution SAO, parce qu'ils sont là, ils ont aidé l'État, ils ont aidé la société, ils ont aidé le pays. Pour côté Timoun, qui t'a porté dans la rue, ils vont retrouver dans l'école. C'est l'institution SAO qui va recevoir chaque ça. Mais il faut que chaque fois qu'on recevra tout, il y a toujours un bilan de ça au fait, qui toujours joue une satisfaction FNE ou ministère de l'Éducation nationale. Et en gros, faut que nous disions que l'institution ça vous dit nous, côté OIVA,
Il y a bon service et nous connaissons les affaires d'éducation. Ce n'est pas affaire au monde, ce n'est pas affaire au groupe, c'est affaire tout le monde. Je dis à là, nous connaissons le pays sous plan économique, il y a la GABA. Mais ça n'a pas empêché, nous respecter l'engagement nous gagner envers l'institution Zahou. C'est comme ça que je dis à là, gagner plus de 100 millions de gourdes qui peuvent diviser pour 4 institutions. Nous pouvons rentrer dans les détails après la connaître. Et en dépit de ça, il faut qu'on dise tout FME qui est là pour l'accompagner, mais il y a l'autre travail fait. Pour nous, très souvent, quand on parle, quand on dit, nous avons un petit bagage en Haïti ou à l'étranger, quand on parle des affaires de la 50. Eh bien, il faut qu'on dise FME lui-même, une charge qui est très lourde dans le financement éducation. Je dis à la pendant la parole, là, dans quelques semaines encore, il y a 25 écoles fondamentales qui parlent inaugurer avec fonds qui sont dit au FME. Sans compter des milliers de bons scolaires qui nous ont distribué par les SAR et leur bourse d'études. Tant que tout concours par l'ouvert dans tout le pays, par gagner des bourses d'études qui vont prendre à partir de un concours qui va le faire et inscription par annoncer très prochainement les soucis de FME à Brel, soucis de ministère à tout, dans toute direction départementale. Qui donc FME Odia, l'invité aux institutions qui extra dynamique, côté nous dit, il faut que nous accompagnions selon vision gouvernement, vision chef d'État qui m'a dit pour que plus salle de classe pour tout le monde trouver une éducation de qualité. Et je dis à cela dans FME lui-même, lui engagé. Donc nous, dans le jour où nous avons conférence de presse, sur bilan, travail qui fait dans FME, c'est pas ça que nous avons aujourd'hui. Actif de l'Odia, c'est précisément pour nous remettre chaque salaire par institution salaire. Cap travail d'arrache-pied dans le domaine éducation pour accompagner la population. Merci beaucoup. C'était du FME. Monsieur le président de la FINAM, messieurs les représentants des associations sœurs évoluant dans le secteur non public de l'éducation, maintenant, nous comptons pour que nous capables là et pour nous capables vienne recevoir contribution que l'État a bail pour nous capables continuer travail voyer timoun l'école. C'est une initiative qui prend depuis l'année 2018 et qui a troisième année ça et nous voulons dire que gain de progrès substantiel qui fait en 2018-2019. Eh bien, nous avons une possibilité pour que nous soyons capables de soutenir 11 195 timons qui sont dans 451 écoles. Et pour l'année qui s'est écoulée en 2019-2020, c'était 12 475 élèves qui sont dans 499 écoles. Et l'école Sao, ce sont des écoles protestantes qui ont trouvé un peu partout à travers le pays, dans les sections communales, dans le monde, côté que parfois c'est seulement l'institution ça qui traduit relation communautaire à gagner avec l'État haïtien. Donc nous comptons participer dans la cérémonie matin et nous souhaitons que force à eux que nous recevoir et bien capable gagner une augmentation substantielle qui fait pour que nous capables de servir beaucoup plus d'enfants. Nous connaissons un petit monde dans le pays n'a pas de possibilité pour aller à l'école, même s'il y a des efforts qui font dans ce sens. Nous pensons que, au nom du droit des enfants à l'éducation de qualité, eh bien, c'est une initiative qui doit poursuivre et qui doit renforcer chaque jour public. Donc, compliment à l'État haïtien, compliment encore une fois au Fonds national de l'éducation. Merci. Haïtien vivant à l'étranger, monsieur le président de la FENAM, monsieur le directeur du FNE. Et nous comptons pile matin pour cérémonie ça. Ça fait deuxième fois que l'Église épiscopale d'Haïti participe à un financement que le ministère a accompagné l'institution pour être capable de délivrer services éducatifs là dans la zone reculée. Bon, nous
nous bien contents. En fait, vocation de l'église là, les mêmes, c'est quoi que. Et pendant l'église là, marché, mais il faut nous faire éducation en tout. Donc nous-mêmes, nous avons un côté très très reculé, Jean Confrère t'a dit tout à l'heure. Nous avons l'école là-dedans et nous avons continué le travail là. À la subvention, nous avons reçu l'année dernière, c'était la première fois. Nous arrivons scolarisés à 2925 élèves dans toute la République là. Et nous allons très loin et pour nous faire accès à. Eh bien, on a toujours continué à faire travailler ça encore, et ça, on a toujours cherché des gens qui ont pu reculer au sac pas à l'école pour nous permettre de bénéficier du peine d'instruction, parce que nous croyons que c'est la seule façon pour nous participer nous-mêmes activement dans le développement du pays. Merci beaucoup. Le ministre de l'Éducation nationale, monsieur le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, monsieur le directeur général de FNE, monsieur le président de la FENAM, révérend Père, cher Christophe, c'est un grand événement que nous vivons encore aujourd'hui, hein, la troisième reprise. L'école presbytère a lieu en Haïti autour de 1300. L'année dernière, le fonds que nous avons recevoir te permet que environ 472 voyaient l'école ou accueillis dans environ tout élève qui a scolarisé dans l'école Sahel. Nous avons permettre que 20212 rite l'école. La réalité, c'est que les gens qui ne sont pas à l'école parce que les parents n'ont pas de moyens, les gens qui sont à l'école qui ne peuvent pas continuer l'école, les gens qui sont à l'école qui ne peuvent pas prendre carnet parce que les parents n'ont pas de payer l'école. Là. Donc, c'est au niveau ça, dans la catégorie ça, que nous, tous 10 diocèses, qui sont 10 départements dans le pays, si nous sommes capables de bénéficier de ça que l'Église catholique, conférence évêque haïtien, à travers la commission épiscopale éducation catholique, de partager par tous les responsables diocésains la question éducation catholique en d'un pays. Donc nous encourager certainement l'initiative là, activité ça, et nous toujours souhaiter que de plus en plus, chaque année, à capable de gagner plus de monde qui est tiré dans l'école catholique, ou l'école protestante, ou l'école communautaire, ou l'école épiscopale, ou bien l'école communale, capable d'aller à l'école. Puisque la situation est de plus en plus critique dans le pays. Hein, et tout effort qui fait à l'année passée, RSA, on a souhaité que. Nous continuons toujours, pendant que nous avons remercié l'équipe qui est derrière l'initiative ça et qui permet que Timon Sayo arrive l'année dernière recevoir une instruction. Nous souhaitons que l'année ça encore soit capable de gagner plus qui bénéficier de FOSA. Merci encore. Merci beaucoup, FNU. Bonjour tout le monde. Salut deux ministres et DG représentants. À l'éducation et protestante. On est content que nous ayons l'école que nous allions entrer dans l'ICE institution qui travaille dans la question de l'éducation qui est éligible pour son version l'État et et l'année passée, nous avons recevoir 3 millions d'autres qui te permettent que nous avons fait 1,907 à l'école. C'est en moyenne 1,500 gouttes pour chaque timon. Mais en zone de politique, c'est 2,000 gouttes et commune qui n'a pas pensé pour l'école qui joue, c'est 1,000 gouttes. Et c'est 24 l'école qui t'est touchée. Sur 3 départements,
et 10 communes. 10 communes sur 146, 24 écoles sur environ 134. Et en laissant encore une fois, nous, là, pour nous recevoir subvention ça, nous voulons remercier le ministère, FNU, et non l'agence de la 50 langues qui percevoir par l'État haïtien sous question d'éducation, nous capables de dire aujourd'hui à commencer à gagner une utilité qui est procurée lorsque l'église catholique, l'église protestante, l'église épiscopale ou by corps pour faire éducation ou déjà gagner assurance que nous avons bénéficié. Je souhaite que nous continuions, mais tout pour le fait de l'école communale, pour le ministère reconnaître l'école communale comme entité qui a travaillé sérieusement dans le domaine ça. Parce que la Constitution dit dans l'article 32 là, que l'éducation c'est en charge de l'État et de la collectivité. Il faut que l'école communale ait un espace, participer à un espace décisionnel. Il faut qu'il identifie les compétences que l'école communale est capable de remplir. Parce qu'il va faire tout le bagaille, magistrat va construire l'école par-ci par-là, c'est la possibilité que vous jouez. Mais il faut que les régulations qu'on fait de la part du ministère, là, ils ont intégré l'école communale et ont fait des acteurs importants. Parce que déjà, nous reconnaissons que l'offre publique scolaire là, est très faible dans le pays. Donc si nous voulons appuyer, nous augmenter le nombre de salles de classe, nous souhaitons, à partir des subventions ça, que nous commençons à recevoir avec l'école, le ministère a systématisé justement le partenariat et le contrôle de droit exercé sur l'école communale. Merci encore une fois. Merci, magistrat Jules-Édouard Pierre. Et à un moment clé, salut. Directeur général, là, je salue le magistrat, je salue tout récipiendaire qui là, je salue la presse en général. Et bon, pas grand chose, je dis que, en tant que ministre diaspora, pratiquement, et toujours mon plein à propos de dollars 50 ça, bon, je prends la parole là pour me faire que diaspora comprenne que, je dis à 6 mois là, c'est justement parce que dollars 50 là, des grands bagages là pour faire. Et je ne pas vouloir comprendre que son dollar 50 que Yannick Retéo prend sous yo. Je crois que l'explication de la 50 là, son perception que Banque nationale de la République d'Haïti fait sur toute transaction qui fait sous réseau li, et décide prélèvement ça, les mettre à disposition fort. Ça veut dire contrairement à tout le monde fait comprendre que son argent que nous appelons. Et comme ça, il y a un poche en particulier, c'est pas ça du tout que lié, c'est une taxe que Banque nationale de la République prend, m'a répété encore, sur toute transaction faite sur réseau et pour mettre à disposition fonds pour financer l'éducation dans le pays. C'est ça ce que je vais ajouter parce que nous pensons que rectification ça a de temps en temps fallu pour tenir parce que vous avez une mauvaise interprétation. De perception, parce que tout le monde comprend que son corps que apprend, que l'État prend pour aller dans le poche au monde, ou bien son corps que mon a volé. C'est ça seulement que je vais ajouter devant la presse, je dis. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre, rapidement, on a passé à signature convention.
avec signature convention avec la conférence épiscopale d'Haïti. Ça va être la remise symbolique de chèque, la remise de chèque à cette même organisation pour l'année scolaire 2020-2021. La conférence épiscopale, c'est 50 millions. Pour les écoles presbytérales, c'est 50 millions de gourdes. 50 millions de gourdes. Voilà, on a fait la photo. On passe à la prochaine. EEH. EEH. Lundi à partir de 10h pour la pose de première pierre de la construction du lycée de Frères. Donc lundi 31 novembre. 30, pardon. Ça va être le tour de la fédération à présent et voilà. Oh. La photo avec la remise pour la remise de chèque 10 millions de gourdes à l'EEH. C'est le tour à présent de la Fédération des maires d'Haïti, représentée par M. Jules-Édouard Pierre. La FENAM qui a obtenu dans le cadre de cette convention le montant de 3 millions de gourdes pour la prise en charge des frais de scolarité des enfants scolarisés dans les écoles communales. Voilà, remise de chèque de 3 millions de gourdes à la FENAM.
soutenir la Fédération des écoles protestantes d'Haïti. Millions de à la Fédération des écoles protestantes d'Haïti. On invite le représentant de la Fédération des écoles protestantes d'Haïti à recevoir son chèque de 40 millions de gourdes pour la scolarité des enfants inscrits dans le réseau de la FEPH. Mesdames et Messieurs, la messe est presque dite. Si on va. Qui demandait pour nous de 15 000 nouvelles salles de classe dans le pays. De 2017 à aujourd'hui, nous avons déjà construit 143 nouvelles écoles en Haïti. Et très prochainement, on a posé de tout le monde avec tout qui côté au lieu. Et nous avons 12 de sont inaugurées dans le plateau central. Nous avons inauguré 25 dans le jour qu'il y a eu là-haut avec Fonds FNU. N'a dit tout que en dehors de appui ça a un côté bien que faible parce que nous reconnaissons ça nous sommes pays manque nous tombons dans pendant la Covid pour le moment donc nous connaissons tout pays aujourd'hui à faire face à problème économique assez grave donc c'est ça qui explique que montant ça a un bail à institution ça a tant pour école et presbytérale école protestante et école communale école épiscopale une de capable plus et responsable comprendre ça tout. Mais il faut que nous disions tout, l'argent FNSA, ce n'est pas seulement la prise en côté, tant que vous construisez l'école, réhabiliter l'école, prendre en charge et scolarité de l'école qui a des difficultés, mais c'est FNSA tout avec fonds qui payent chaque année tout professeur et pour, il paye tout le monde qui sort dans la première année, vivant dans la sixième année. Nous connaissons l'État lui-même, c'est le pouvoir en charge. Tout petit monde qui est dans l'école de l'État, sorti dans la première année ou dans la sixième année, n'ont pas droit de payer un goût. Et c'est FME qui paye pour chaque grand petit monde qui est dans l'école de l'État. Nous avons souligné tout le monde dans l'État, tant que dans le lycée, et nous avons dit pour tout le monde qui attendait, parce que chaque année, il y a des parents qui appellent pour qu'ils responsabilisent, qui abandonnent leur propre argent pour payer. L'État, notamment le ministère de l'Éducation nationale, dit. Si nous qui sommes en première année, nous sommes en sixième année, pas de payer un bout de l'école, dans l'école d'État ou bien sûr. Si nous sommes en troisième cycle ou bien si nous secondaire, nous devons seulement 1000 gouttes. Et nous disons ça bien fort, quel que soit parent, ou bien si nous ou dans un bon lycée, nous avons plus que 1000 gouttes de l'année et de porter plutôt devant le ministère pour être capable d'agir rapidement. Encore une fois, merci à nous tous. Qui devait être dans ce moment journaliste pour nous couvrir évidemment ça. Et merci tout à toute institution ça, tant que école presbytérale, école protestante, école épiscopale, école communale, qui mettait main à l'État pour capable retirer la scie, mais gentil monde, dans le côté qui plus loin, côté tout le monde sur l'école, sur la jeune, on appuie. Et nous prenons d'agir pour nous aller plus loin,
Et nous pensons, même là, nous pas là, ce magasin qui doit continuer et pour être quand même augmenter valeur sa boule, parce que chaque fois que vous recevez l'agence à eux, d'après le rapport de nous, un petit monde qui t'a trouvé dans la rue, vous trouvez une salle de classe. Parce que l'objectif là pour nous-mêmes dans l'État, dans le gouvernement, c'est de voir tout petit monde qui est là pour l'école pour une salle de classe. Mais heureusement, le gros effort qui fait, je dis à en Haïti, taux de scolarisation lui dépassait 40%. Mais si reste qui était dehors toujours, il faut un travail pour tout le monde, jeune passion dans l'école. Pour nous demander tout le monde, pour respecter tout le monde à l'éducation. Nous d'accord, qu'il y a des problèmes, tout le monde qui a besoin de problèmes par eux, mais on appelle à tout politicien, politicienne de ça, régler les affaires aux jeunes capables, mais pas être une chance pour faire aller l'école sans qu'elle saute, sans traumatisme. Merci beaucoup. Tout est dit.